Les prédictions sont lancées dans le chat. Les points de chaîne, plus rien ne va. Non, rien ne va plus, c'est plutôt comme ça qu'on dit les choses. Rien ne va plus. Et on est parti. Allez, pistole, 3D Max, il peut se permettre un start CT. On a choisi son side ici. Triple dual Beretta sur le papier, c'est assez sale. À voir si ça fonctionne. Et côté Mongols, on aura deux fumis, deux molos et a priori un start en B. Ouais, on a quand même deux flashs aussi côté 3D. Sur les deux joueurs qui n'ont pas de dual Beretta, on peut imaginer peut-être une petite agression. Ou alors c'est pour garder pour la reprise, à voir. Mais en tout cas, côté Mongols, on se prépare. Fumigène envoyé par 910, accompagné par ce fumigène de Blitz. Au niveau de la short et de la longue, réagit par un premier fumigène de la part de Joko. La molo ici pour coincer Gravity. On va sortir du côté de la case. Il faut tenir pour marquer. Il n'en prendra aucun. C'est Techno qui trouve directement l'ouverture. Gravity, il en prend un premier. Il essaye de manœuvrer autour de ce bomb. S'il veut aller chercher Techno, il est aveuglé là-dessus. Techno, il arrive à le prendre sur la dissipation de la flash. Techno qui signe le doublé amorçage de la bombe désormais. On va devoir faire une reprise des plus difficiles. La bombe n'a pas été amorcée. Le kill est superbe travers. Ouais, ça fait du bien, le kill exercice dans le dos également qui aura un kill gratuit sur le build. C'est maintenant 3 contre 2, avantage aux Français. Techno qui a été repéré sur la longue. Tente de gagner son duel, on arrive au bout du chargeur. Il se permet de recharger mais sera battu ensuite par Joko. Laissant Senzu 1v3 et on a l'information. Il est passé dans cette cave, maintenant il va falloir l'abattre. Senzu qui sera gratté petit à petit. Il en fait un, n'en fera pas de 2. Exercice conclu sur les duels. Ouais, j'ai eu un peu peur, on l'a un petit peu décalé un par un là côté 3D Max, Senzu. Mais le pistolet est là, c'est tout ce qui compte. On se lance bien sur cet ancien, sur cette belle reprise. Le kill a eu de la bonne réussite aussi sur l'amorçage de la bombe. Qui fait gagner de précieux secondes, ce qui permet de récupérer le round en vérité. On revoit cette élimination, ouais. Ouais, ok, d'accord. Le spam duel Barretas dans la smoke. Et le pistol. Force H à côté Mongols. Il y a deux Galil sur Techno et sur Senzu. Des Tech9 sur Mesigno Blitz. Et un Deagle sur 910. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Il serait bon pour Tronemax de prendre ce point et d'envoyer Mongols en écho. D'avoir un start plutôt confortable. Les premiers stuff qui ont été envoyés sur l'ensemble de la carte. Exercice agressif à souhait qui est complètement blanc. Blitz, c'est dégueulasse au Tech 9, mais ça passe. Exercice intervient ensuite. Et attention au potentiel timing de Techno dans la rampe qui a peut-être pas été vu. Ouh, il pourrait faire mal. Il a été vu finalement. Et pourtant, il touche lourdement sur Joko, sera battu par Gravity. Ah, il va falloir tenir pour Maka avec le XM en main. Il y a trois joueurs face à lui. Le premier, c'est validé. Le deuxième à longue distance, il temporise un petit peu Maka là-dessus, superbe sur Senzu, il sera couché ensuite par 910, mais il a fait le boulot. Et ça fait des sous pour le sniper ça. Amorçage de la bombe pour 910, est-ce qu'on peut l'en empêcher? Là du côté des 3D Max, ça serait bien pour Joko. Ah, ça sera juste après l'amorçage. Il devrait pouvoir reforcer l'achat les Mongols. Mais le round est là, et surtout ce doublé de Maka, il va faire beaucoup de bien aux finances. Ouais, les kills au pompe on prend, hein. 900 balles le kill franchement. Attends parce que c'est le XM maintenant c'est pas 600? Alors, si c'est ça, j'ai raté une mise à jour. Il me semble que c'est ça, et ça fait depuis un moment, hein. Je crois que ça fait 2-3 mois, mais il me semble que le XM maintenant c'est plus que 600. Ouais, c'est ça, Maka il est 20 200, donc ça devait être ça. Ouais, c'est ça, 600$. C'est le seul pompe qui est redescendu à 600$, on sait pas trop pourquoi, ils ont considéré que le pompe était trop fort. Ah, d'accord, mes excuses, bah j'étais complètement passé à côté de cette marge. En fait, ça reste des bons sous hein, quand même, 1 200$. Mais ouais, c'est une marge qui est passée un peu inaperçue, tu sais, ça devait être dans une grosse marge. Ouais, parce qu'il est trop fort, donc on réduit l'ex. Ouais, allez, pourquoi pas. C'est un nerf de Maka. Pourquoi pas. Bon, pour l'instant, tu l'as dit, ça rachète côté Mongols. Avec les kills qui ont été pris, plus la bombe plantée. Ça fera 5 Galil, décale dans le vide assez rapide. Attention, par contre, les HE sont bonnes. Et c'est Mzinho, pourtant, qui aura l'ouverture. Réponse d'exercice sur une nouvelle HE. Techno s'en va. 4-4 désormais. Ouh, les spams à contre-temps, on se touche mutuellement. Ils ont de la réussite hein, pour l'instant, les Mongols. On l'a vu sur le round précédent, notamment avec Blitz qui a mis n'importe quoi dans le fumigène avec le Tech9. Attention à cette explosion du côté de la pente, il faut s'en douter. Côté 3D, c'est Joko qui joue de manière très reculée, rejoint par Gravity désormais. Il a un fumigène Gravity pour temporiser, ce qu'il va l'utiliser maintenant? Pas vraiment. Par contre, Exe a une incendiaire, ce serait bien la petite plage décale. Gravity qui en prend premier, le spray transfert, mais super de la part de Gravity. Il ne reste plus que Senzu battu. Techno se retrouve seul du côté de l'extrémité A. La bombe était aux mains de la défense, logiquement, ça fait 3-0. Oui. Ça, Techno ne peut pas le mettre et surtout 3D Max ne peut pas le perdre. Ça 3-0 qui va faire du bien, qui va enfin pousser Mongols vers la porte de l'écho. Un départ donc plutôt correct. Alors idéalement on perd pas d'armes supplémentaires, histoire de se mettre un maximum de sous de côté. Techno sur le coup d'épaule qui a dû repérer son adversaire. Il l'a vu. Ouais, on voit la réaction directement de Joko qui est parti chercher très loin la hauteur et des autres joueurs qui regardent plus que le spawn. On l'a vu là-dessus Techno. Il a peu de chance d'aller chercher ce clutch en vérité. Va essayer de se diriger vers la hauteur. Est-ce qu'il va se douter que Joko est au contact? A priori, il peut l'imaginer. Attention, Joko a une ligne curieuse. Bon, il va save. Un Galil. Franchement, c'est frustrant. Le problème pour lui, c'est qu'il y aura un déséquilibre sur l'écho de son équipe. Du coup, lui, il aura Galil qui va casque. Donc, à moins que ses mates rachètent tous également derrière. Après, est-ce qu'ils peuvent se le permettre? En soi, ils vont toucher 2900.
Ouais, ça short hein, pour renforcer l'achat. Ah, peut-être qu'il y a un call spécifique avec et qu'on irait sur un force violent à base de Galil, Mac 10, Tech 9. Je pense que ça serait le call hein, au vu du save. Ouais, c'est possible. Du coup, on peut peut-être l'anticiper côté 3D. On va voir si déjà nos spéculations vont être la réalité ou pas. Eh ouais, on lâche rien, il faut continuer comme ça. Parce qu'ils avaient fait un bon start sur Anubis et derrière ils s'étaient un petit peu éteints les 3D. Là il faut garder une bonne dynamique, aller chercher le plus de points possible en CT. On revoit ce superbe spray transfert de la part de Gravity sur une flash hyper bien inspirée, c'était de Joko je crois. Alors, pause tactique justement pour discuter de la situation côté Mongols. Parce que tu l'as dit, il y a cette situation un peu bizarre où on a un joueur qui conserve un Galil. Ouais, ça rachète, c'est bien le call en effet, on conserve pas pour rien. On s'en méfie hein, forcément côté Wasink avec en plus la pause tactique demandée pour Mongols. Et nos mathématiques sur le chat ont fait des calculs pour dire que ça valait pas le coup. Ouais, alors attends, son stuff vaut 2800 et gagne 2900, pas sûr que ce soit worse. Alors si les calculs sont bons, je te rejoins. Surtout que s'il monte au niveau de la hauteur, potentiellement il peut faire glisser au moins un kill, donc 300$ en plus. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre ce save de Galil, mais bon, il y avait un plan de jeu, on va jouer dessus. Ça, sur les papiers ça pourrait faire les affaires de 3D Max. Maintenant attention, ça reste un round très dangereux avec 4 Galil et un Deagle. On va propulser Maca du côté de la hauteur qui va venir décaler ici dans le dos. Il a repéré Techno, il met des bons dégâts, ça suffira pour faire tomber le joueur des Mongols. C'est déjà un 5v4. La Techno qui a save pendant 3 minutes 30 pour au final mourir en 10 secondes sur le prochain point. Un peu frustrant pour lui. Renouvellement de fumigène qui va être envoyé dans le mine, on tente de la traverser. Oh le Kino, des mouvements et ça coûte la vie de deux hommes. Blitz pour aller faire un petit moins 2. On rééquilibre les points. Gravity sur le B qui a envie de pousser pour compenser. Oh, malheureusement, on en fait trop. Ça ne passera absolument pas. 9-10 sur un moins 2. Il y a du HP exé. Il est capable d'aller chercher ce genre de clutch. Mais c'est tellement une glissade pas du tout appréciable côté 3D. Bonne réaction de la part d'exé là qui a compris qu'il avait été vu. Il s'en va, mais ils sont pas bêtes les Mongols. Et ils vont bel et bien finir du côté du B. Il va essayer de couper les rotations en exercice. Il va avoir Blitz face à lui, à longue distance, voilà, il s'offre un V2, est-ce qu'il va comprendre? Ouais, il a compris. Exercice, il a une incendiaire, il pourrait l'envoyer sur le bomb site. C'est dommage, je l'ose pas, parce que l'amorceur était très low HP, ça aurait valu le coup pour le coup. Exercice qui va venir décaler, lancer l'incendiaire à contre-temps, est-ce que ça va suffire pour se défaire de 9-10? En tout cas, ça le force à sortir ici, et ça tient pour Senzu. Premier point côté Mongol, c'est dommage. Ouais, le premier point concédé par les Français, faut que ça soit un point comme ça, un point où on est sur une glissade. Malheureusement, Lucky, il est bien malheureux sur son fumigène. Ça traverse sans flash, donc ça forcément ça surprend. Le timing était bon, Blitz qui enchaîne sur un doublé. Et après la reprise en B, pour compenser pourquoi pas. Mais on n'y trouve pas les frags. Ça joue à quelques PV pour certains. Pour autant on se permet de racheter derrière. Il y a une banque, par contre attention à pas le perdre celui-ci. Hein. Genre là il brûle pas Blitz. Ok. Pourquoi pas. Il va sortir à contre-temps. Attention à ne pas en être naïf là. Pour Maca, qui est venu remettre le fumigène. Attention à cette infiltration mid proposée par les Mongols. Normalement, Maca, sans doute, il est en coup d'épaule désormais. Il a repéré son adversaire. Et on va renvoyer directement Lucky à la réception du côté de la Red Room. Il a entendu Blitz, c'est sûr, il faut tenir ce duel. Ah, bah. Ok. Petite livraison de la part de Blitz. C'est très gentil de sa part, on le remercie. On a un second qui se profile. Est-ce qu'on va l'attendre? On met un fumigène en tout cas, donc on s'en méfie peut-être. 9-10 ne peut pas jouer sur la zone pour l'instant. L'avantage numérique est toujours du côté des Français. Une grosse minute de jeu restante. Et un Techno qui va reprendre la cave en slow. Il n'y a pas de stuff. La prise en slow sur la zone, c'est intéressant pour lui. Il n'y a pas de stuff côté 3D. On va être obligé de se battre avec les armes. Gravity en prend en premier. Petit saut de cabri ensuite. Joko qui veut aller chercher et qui va aller chercher Techno. Deux points à l'avantage des 3D Max. Est-ce qu'on va s'imaginer 9-10? Attention à ne pas en être naïf là du côté de Maca. Pendant ce temps-là, Medinho s'est débarrassé de Joko. Du côté du BPB, duel important ici, vraiment, entre Maca et 9-10, il faut absolument le tenir pour le capitaine français. Ouais, ça tient pour 9-10, superbe. Est-ce qu'on peut venger pour le kill? Le laisse à 9 petits points de vie, encore une fois, on met des gros dégâts, mais on trouve pas les kills. On laisse ses adversaires à quelques petits points de vie seulement. Ah, pas l'info sur MZigno, hein. Passer par la rampe, alors 9-10 finira par tomber, repris par Exe. MZigno sur un contre 2, il est full stuff, hein. Et ça pourrait jouer à son avantage. 25 secondes de jeu restante cependant, il va falloir qu'il se dépêche maintenant. Et il le sait qu'il y avait le joueur sur la longue, il a envie de le trouver, est-ce qu'il aura le timing? C'est la question. Lucky pour l'instant de don, on va commencer peut-être à se retourner pour Lucky, qui ne tiendra pas sur son duel, ça joue à quelques PV près. 10 secondes restantes, MZigno qui doit maintenant planter la bombe. Ah, il va être obligé d'amorcer, Exe qui va reprendre dès la fin de la mollo, bah, il va traverser directement pour essayer de prendre un petit coup d'avance. Il sait que son adversaire est low HP, il faut une balle pour Exe, c'est fait. Quatrième point, côté 3D Max. Ah, le retour des exclamations, des bisous envoyés par les 3D Max sur les Mongols.
Et il est frustrant ce round, il aurait pu être beaucoup plus frustrant, mais il est déjà frustrant pour Lucky. Il met genre moins 90 sur Techno et moins 90 sur le dernier joueur. Il faut finir les kills là, messieurs. Oh, ne vous offusquez pas, hein. Le verbe, littéralement, je me permets de le dire, il n'y a aucun problème, cassons ce tabou, baiser, faire un bisou. Qui est, voilà, donner un baiser à quelqu'un. Donc ils vont faire un bisou à l'adversaire. Il n'y a aucun souci. Maîtrise la langue de Molière, et, c'est parfait, c'est joli. Moi, je trouve que c'est très poétique. Après, tu sais que je comprends que le chat soit choqué. Le chat vit au 16e siècle, et à cette époque, le mot baiser dans le sens faire un bisou, c'était déjà choquant. Donc, c'est pour ça, en fait, que les gens sont choqués. Hein. Ils n'ont pas compris autre chose, Jawed. Maintenant, si vous voulez avoir toutes les réponses à tout moment, il faut être équipé d'Internet. Vous l'avez sûrement, mais il faut aussi un bon navigateur en plus qui soutient un prévis. Ça serait top. Exclamation Opéra GX. Installer, télécharger. Plutôt dans l'autre sens, télécharger puis installer. Ça nous soutient, ça fait du bien. Et on pourrait peut-être les retrouver sur d'autres tournois. De quoi financer des droits de diffusion, mais également le salaire de Cudder. C'est pour ça qu'on l'a pas depuis une semaine. On n'arrive plus à payer. 4-1 pour l'instant. 3D Max démarre plutôt bien sur cet ancien round d'armée à venir. On n'a pas énormément d'argent de côté. C'est un round extrêmement important. Et on va exploser en A directement côté Mongol. Changement de rythme. À la réception, exercice qui est boosté accompagné par Lucky. On a un bon setup côté français. Maintenant, faut tenir les duels. Il faut absolument tenir les duels. Le fumigène qui va être envoyé, exercice le premier à la réception face à Mesigno, ça tient, Bruce qui peut en prendre un deuxième, la réponse est non, il reste encore Lucky, ah il en prend un premier mais c'est un peu difficile, il arrive à mettre des bons dégâts sur Techno, un ennemi on va dire, mais le problème c'est que le A est complètement ouvert désormais, alors la bonne nouvelle c'est que côté Mongol on n'a pas osé accélérer trop vite. Ouais bon patienter, on va mettre un petit temps d'arrêt, à voir à qui est-ce que ça profite réellement sur ce freeze. Ah il est tout seul en A, Maka, il se retrouve tout seul. Il a peut-être envie de vider le contact main au MP9. Le problème, c'est qu'il y a aussi un timing au niveau du donut. La coupe de Blitz, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Blitz a un coup d'avance. Il en fait un, il en fait deux. Très belle exécution de sa part. Par contre, Maka qui a fait le kill sur la bombe, il est très low HP. Maka, il est très très low HP. Ça va être dur à 24 PV de mettre le 1v2. Ah, il peut rien faire. Là, c'est très très difficile, tu l'as dit. Il va essayer de prendre une ligne cassée, de surprendre au moins un premier joueur. Et là, ouais, ce fumigène qui permet d'être sûr que Maka n'est pas au fond. Ils n'auront qu'une seule ligne à décaler, les Mongols, quand ils vont décaler. Il devrait le faire à deux a priori, 9-10 et Blitz. Allez Maka, les petits coups d'épaule pour essayer de faire tirer Maka. Et ça tient pour 9-10. Deuxième point pour Mongol. C'est dommage, on a le bon setup encore une fois, mais on tient pas les duels. Alors Exe en prend un, Lucky en prend un, on peut dire oui c'est pas trop mal, mais normalement au vu du setup, ils doivent en prendre allez, au moins 3 à E2. Et ils en prennent que 2 et c'est pas suffisant. Ah, les Mongols qui ont trouvé la solution sur Blitz. Hein. Blitz planqué dans le mid qui a fait toute la diff, la phase de freeze sur le 3v3 qui a été efficace pour les Mongols. Et on avait dit, il y avait un enjeu économique très fort des deux côtés, ça envoie 3D Max en force achat, on partira sur une M4 pour Lucky, mais à côté quelques pistoles et un MP9, ça va pas être évident. Et petite agression, pourquoi pas, avec Lucky, essayer de capitaliser sur cette M4. Pour l'instant on va jouer à deux du côté du donut pour les 3D Max, avec Lucky qui aura la première ligne, Gravity gâchée. Travers de Maka qui permettent de repérer 9-10 tout de même. Maka en prise d'information. On remet un fumigène du côté de la Red Room. Petit HE qui va mettre des très très gros dégâts sur Maka. Et on va sortir du côté du donut. Lucky en ligne cassée qui est directement battu. Et 9-10 qui va pouvoir enchaîner sur Gravity. Ça manque de peu pour pouvoir punir 9-10 là-dessus. Mais il tient un bon. Ah, il se régale. Hein. Il aura fait un petit récit là dans le mid. Entre les dégâts de la HE, ensuite le double pic sur le joueur qui a la M4. Ensuite sur Lucky. On s'est régalé pour le joueur des Mongols. 55 secondes de jeu restantes. Mongols est censé mettre ce point. Faudrait un exploit venu d'ailleurs côté 3D pour s'en sortir. Avec ce qui semble être un finish B. Les premiers stuffs sont en train de tomber. Ouais, on fait un pari à côté français. Le mieux qu'on puisse tirer là, c'est d'éliminer Mesigno et de récupérer l'AK. C'est à peu près tout. Alors est-ce que Mesigno en sortant va dire « Y'a personne en A, les gars, venez, on revient. » Bon, ils sont déjà sur le BPB, y a peu de chance quand même. On a récupéré la M4, on va essayer de récupérer, pourquoi pas un peu plus, sur un Mesigno qui reste au contact. Est-ce qu'on va s'en douter côté 3D? Est-ce qu'on va le checker? La réponse est non, c'est un free kill, il va pouvoir enchaîner ou pas, il prend un casque à moins 50. Maka l'instant des faits, récupère une AK, mais 9-10 est déjà là pour chasser, il a une mollo, et on va aller chasser. Regardez les Mongols, regardez sur la carte, ils sont déjà au niveau du spawn CT, ils ont complètement abandonné le BPB, ils veulent absolument faire tomber ses armes, ils ont bien raison. Ah, ouais, Sinzu, ligne par ligne, il va le repérer et à terme il devrait le trouver. Exercice ne pourra pas rester en vie. Maka, 3 PV seulement. Ça semble impossible. On ne pourra pas rester en vie pour lui.
À moins qu'il ne soit pas chassé. La petite Molo qui arrive. Ça arrive dans le dos. Est-ce qu'on le voit? C'est oui, non. Pas pour l'instant pour Blitz. Toujours pas? Si, quand même. Petit headshot en prime. Et derrière, ça va être de l'écho. Hein. Alors ça, c'est un replay d'il y a deux rondes. Ça, c'est ce round là par contre. Le double 9-10 ici. Il y a du petit contenu fait par ESL avec les Mongols. Pas vu passer si on avait avec 3D Max, honnêtement. J'ai cherché un peu, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas vu non plus. Il y a des trucs sympas où ils prenaient les joueurs pour faire des petites questions marrantes. Ah, c'est cool de les voir un peu plus s'ouvrir aux interviews, etc. en anglais. Et pendant ce temps, Techno qui se fera ouvrir par exercice et Gravity. Alors, il fait quand même 2 kills au passage. Nintendo qui va essayer de prendre le relais. Joko qui voudrait peut-être ramasser une arme, mais celle-ci s'en mettre hors de portée. Ah, Blitz sur Joko tranquillement. On a le bras court, on a le bras court pour exercice, on pourra pas la prendre cette arme. Petit HE à rebond et MZNO tranquillement, il trouve le kill laissant Maka en 1v4. Ouais, ça va faire un quatrième point. 4 partout, on recolle le score côté mongol. Et pause tactique, ça ne va plus. Côté 3D Max, on avait fait un très très bon départ. Et là, on trouve moins les solutions. Il n'y aura pas les finances pour un sniper sur ce round. Wasnik doit aider à trouver des solutions. Il n'y a pas le choix maintenant. Alors, je vois qu'il y a des débats sur la prononciation de Mezinho ou Mzinho. En tant qu'esper de Mongol, Jawed. Oui, moi j'ai toujours dit Mzinho. Ça serait Mzinho du coup. Ouais. Il a vraiment un, en plus, il a un pseudo qui a un flow brésilien. Oui, c'est vrai. Moi j'aime bien. Eh bien, on va s'aligner sur Mzinho alors. Après, peut-être un jour, on aura l'occasion de lui demander hein, directement en interview, en direct. Oh, le kiff. Prochain génial. Objectif. Pour l'instant, on va se relancer. Rentre complètement armé cette fois-ci. 4 partout, balle au centre. Côté 3D, on se permet de racheter, mais on n'a pas de banque derrière. Donc, il va falloir s'imposer. Parce que là, on est quand même sur une bonne dynamique mongole. Il y avait 4-1 pour 3D Max, il y a 4-4. Il y a peut-être une agro mid qui serait tentée, start à 3 côté français, des stuff assez profonds mais qui ne touche pas tellement. Par contre la H en B sur Senzu elle prend. Il faut pas redécaler dans cette ligne là de 9-10. Attention Joko à pas se faire punir bêtement ici, il doit le savoir normalement Joko. Alors la logique c'est si jamais il veut repartir du côté du spawn, il faudra qu'il recule jusqu'au fond de la longue et qu'il saute. C'est comme ça qu'on back, sans être mis en danger par un sniper. Fumigène qui est remis du côté des portes, il a été coincé. Par Senzu. Ouais, bah forcément. C'est trop facile pour 9-10 face à Joko. Ça, ça ne doit pas exister normalement, Jawed. Ouais, ça pique, c'est gratuit. Une grosse minute de jeu restante maintenant. On a plus beaucoup de contre-stuff du côté des Français. On a plus énormément côté Mongols, mais sur un petit finish, 3 fumis de flash, ça peut suffire. Maintenant, à voir quel serait le finish de leur côté. Des Français qui vont tenter un pari. Un retour 3B qui se dessine en 4 contre 5. Faut tenter un pari, on n'est pas contre. Par contre, le petit boost, est-ce qu'il peut accomplir quelque chose? Ce boost, oui, sur 9-10. Et la bombe est au sol. Mais Senzu qui vient de détruire les espoirs des Français, mon Dieu. Il les a terrassés sur un spray absolument abominable en travers fumigène. Oh, ils ont tout pour eux. Ils ont tout pour eux, les Mongols, là, sur ce point. Le boost était tellement bien imaginé. Derrière, il fait moins 2 dans le fumigène. Alors qu'ils sont en train de repartir. Oh, c'est terrible. On revoit, ouais, cette décale de Joko. Coup d'épaule un poil trop large. Wow. Ouais, il met n'importe quoi. Hein. Oh. Et tu vois sur Gravity en plus. Ah ouais. Ah, ça fait 5-4. Ça fait 5-4 avec des Français, on a dit, qui ont plus beaucoup d'argent. Qui jouent sur des pistoles MP9. Sortie mid tentée par 9-10 en première intention au sniper. Pique sur flash depuis la hauteur pour aller chercher au MP9. J'aime bien l'idée, mais on ignore Techno qui prend le moins 2. Ouais, bon, il y avait des choses à tenter sur cet écho de toute façon, il fallait essayer quelque chose. Ça sera pour l'instant balayé. Maka qui met quand même une petite tête à Blitz pour le style. Exercice Lucky pour essayer de faire des dégâts économiques, de récupérer une arme. Alors, en vérité, les dégâts économiques là, c'est même plus vraiment d'actualité. Regardez l'argent du côté des Mongols, ils auront de quoi racheter jusqu'au bout. 7000 sur Techno, 9000 sur Blitz, 9000 pratiquement sur Mzinho. Et ça, c'est sans compter la fin du round. Donc les 3 400 $ qu'ils vont avoir en plus. Ah, ça va faire 6-4. Ça va faire 6-4 alors qu'on semblait avoir un side qui démarrait bien. On s'est peut-être fait la même réflexion sur le premier side d'Anubis d'ailleurs. Ouais.
La France se dit bon, Side Terro, on aurait espéré mieux côté 3D, c'était une bonne opération pour Mongol, ce qui avait surmonté. C'est un peu la même ici. Faut éviter de se prendre la claque du 8-4. Un exercice quand même qui essaie de faire la différence. Il en fait un mine de rien, abattu ensuite par Mzinho. Le petit contact qui va mettre la même sentence mais prendra la même derrière. 6-4. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant côté 3D, il faut aller chercher ces deux derniers points de ce premier side, se mettre sur des bons rails avant d'entamer le side d'attaque. Côté français, mettre les deux points, enchaîner avec un pistol. Il y a encore de la place pour aller chercher cet inferno. Mais là, on sent des mongols depuis quelques rondes qui sont vraiment en maîtrise. Et ça fait 5-0 là, sur les derniers points, 5-0 et 6-1. En faveur des asiatiques. Il y a un sniper sur Maka, on va venir traverser Smith, le kick est complètement aveuglé. Battu ici par Blitz, vengeance de la part d'Exe. C'est du 1 pour 1, ça va encore, mais c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est que les 1 pour 1 c'est plutôt à l'avantage de l'attaque. Et du coup directement réaction, on repart du côté du A. À la réception c'est Joko tout seul avec une M4 qui joue de manière reculée pour l'instant. Est-ce qu'on veut retravailler le mid avant? Je pense, est-ce que Exe a pas pu les sound sur le passage Terro, parce que ça repartait en courant? Bon, a priori non, parce qu'on réagit pas, il n'y a pas de rotation engagée. Une petite mollo faux mid qui sera envoyée par Exe, Joko qui a encore un fumigène. Un fumigène qui pourrait servir peut-être à ce pompier. Il y a deux molos en face sur 9-10 sur Mzinho. Va falloir tenir pour Joko. Hein. Objectif pour lui ici en tant que fixe sur ce BPA, ça va être de gagner du temps dans le meilleur des mondes de faire des kills. Mais vraiment rester en vie le plus longtemps possible pour permettre la rotation de ses coéquipiers. Là-dessus, on fait presque deux frags. Mais au final, on n'en aura aucun. Et il n'y a pas eu la pompier dont on avait parlé. Joko se fait avoir sur les stuff. Ouais. Il faut tenir maintenant. Pour Exe accompagné par Maka, le temps qui commence à s'égriner en faveur de qui, c'est difficile à dire. Ça fait un petit peu douter les 3D, on voit, regardez sur la carte Maka qui est reparti directement. Et il ne reste plus qu'exercice. Dans le même temps, Senzu reprend le mid. Et même Exe commence à douter et repartir, on va effectuer un pari mais de l'autre côté de la carte. Et on est complètement hors de position côté 3D max, on va pouvoir amorcer la bombe côté mongol et logiquement on devrait partir conserver côté français. Ah ça va save hein. Pas la jouer. Et Mongol c'est souvent très chiant d'un point de vue adverse sur ces secondes phases. Il y a eu beaucoup de phases de freeze qui leur ont profité. On fait un kill, on se précipite pas, on veut faire les choses de façon méthodique et ça passe. Et là on l'avait annoncé, tout allait se jouer sur Joko, sa capacité à rester en vie le plus longtemps possible, idéalement trouver un kill. Bon, il n'y aura pas de kill et il meurt assez vite au final. 7-4. Bon, c'est pas encore la catastrophe, mais le problème c'est que la dynamique côté Mongols elle est forte. Hein. Ouais. Il y avait 4-1 et 4-1 pour 3D max. Il y aura maintenant 7-4 pour Mongols. Maka se défend tout de même face à Senzu. Est-ce qu'on peut conserver ces trois armes? A priori, oui. Est-ce qu'on va aller chasser plus loin côté Mongols? Ça paraît compliqué. Ils sont quand même très très loin ici. Mzinho qui va jouer de manière sage. Il va juste déloger tranquillement ce spawn. Les dernières rondes à venir. On est bien armé côté français avec le save qui a été opéré sur le round précédent. Maintenant pour 3D, si on veut espérer remonter sur le second side, il serait bon ici de pas trop être décroché, de finir sur un 7-5, de rester au contact. Les temps de stuff qui vont être envoyés, des cales dans le mid peut-être sur la HE, exercice qui prend moins 21 mais qui va aller contester la zone. Et au contact pourquoi pas, et dans le même temps côté Mongols, on aimerait profiter d'un timing peut-être pour Senzu. Essayer de se mettre voilà, pour l'instant au contact. Exercice dans son mid, peut-être dans quelques instants face à Techno qui pourra arriver par la hauteur, il faut pas être naïf de ce timing. Gravity qui joue pour l'instant caché, il faut trouver les ouvertures, il faut gagner les duels et Exercice qui tombe directement dans le mid. Techno qui a trouvé cette ouverture, Gravity qui va essayer de reprendre, est-ce qu'il se doute qu'il y a un joueur au contact? Bah, il imagine, il l'a vu, il le voit là-dessus, il s'en défait, super de la part de Gravity, 9-10 a subi des petits dégâts aussi. On va essayer de redécaler du côté du mid, Blitz à second temps, il y a deux joueurs du côté de ce mid. Pour les 3D max, en l'occurrence le ki de Joko pour essayer de tenir, on est en train d'ouvrir la ligne, ça ne tient pas pour le ki. Encore une fois dans les duels ça ne paye pas. Ah le ki fallait prendre celui-ci, on n'y arrive pas. Blitz en défait, Techno est déjà en punition sur Gravity. Et à terme il pourrait trouver le kill, ouais, c'est facile, c'est gratuit ça. C'est gratuit pour Techno, il est en train de communiquer. Il peut aller le chercher, il peut se permettre de le prendre et il y va. Il y va, il était simplement en train de parler avec ses mates au préalable, leur dire écoutez j'ai un kill en B, on peut finir ici. Il le prend facilement, la bombe s'y dirige. Et c'est maintenant un 4 contre 2 avec en plus l'infiltration de Blitz en A qui pourrait couper. Ouais c'est ingagnable à côté 3D max.
Blitz qui va attirer l'attention sur lui. Est-ce que Joko peut s'en débarrasser? Il le voit passer en tout cas. Bon, il a compris que c'était pas du A, je pense, Joko là-dessus. Maka devrait se débarrasser de son adversaire. C'est du 3 contre 2. Ouais, ça reste un peu plus jouable, on va dire, puisque la bombe n'est pas encore amorcée côté mongol. Avec un petit peu de réussite, ça pourrait passer. 18 secondes. Maka au contact ici, rejoint par Joko. Amorçage de la bombe, c'est dommage que ça soit pas Maka qui ait les stuffs ici. Joko aurait pu empêcher cet amorçage dans un premier temps. Petite grenade au niveau du bombsif, mais il n'y a plus personne en position côté mongol. On va se préparer à reprendre après le fumigène. Maka Joko. Fumigène du côté de la cave, incendiaire au fond au niveau du corner et ça ne tient pas pour Maka face à Techno, il va lui courir dessus là-dessus. Techno refermer un petit peu la distance, Maka qui essaie d'ouvrir, Joko qui va revenir mais Techno s'est échappé, Techno s'est enfui. Mzinho est repéré sur ce bon site, tiens, genre au contact pour le 7, Joko en prend en premier, il faut enchaîner sur Mzinho, c'est fait par Joko, superbe double, il ne reste plus que 9-10, à contre 2, il traverse, il en prend en premier, il est enchaîné. Énorme premier side de la part des Mongols qui, entre guillemets, n'ont plus qu'à conclure le boulot ici. 5 points leur tendent les bras pour aller chercher ces Pro League. On va le directement agresser pour Blitz. Coup des polices, il a repéré Joko, il va reculer ensuite. Les 3D Max maintenant en attaque, ça va être à eux de créer le jeu, ça va être à eux de créer la surprise, Jawed. Ouais, ils le font, on est dos au mur, hein, si on veut espérer une qualification en playoff.
faut mettre un gros side terreau, réussir à remporter la carte et pousser sur Inferno. Ça passera par ce pistol. Blitz qui repère les stuffs, on les regarde tomber. Ça pourrait appeler des rotas. La flash pourrait être destructrice. Elle est bonne cette flash, on ne décale pas pour autant côté Blitz. On patiente, on en fait un premier sur le Joko. Il enchaînera avec 9-10, c'est un petit moins 2. Le kit intervient maintenant, il va falloir trouver le débordement sur le BP. C'est fait avec la hache de Maka sur 9-10. 3 contre 3 désormais, on pourrait planter la bombe. Ouais, ça va être fait maintenant par exercice. Le kit qui va aller chercher un petit peu plus loin. Alors est-ce que c'est du grid ou de la prise de position? Ouais, l'avenir le dira. Ils y vont à 2, c'est peut-être la bonne idée là-dessus côté 3D. Prendre un petit peu d'espace à deux joueurs pour avoir les revenges. Attention, duel Barretas de Tekna, il y a une smoke et c'est Senzu qui va directement faire tomber Xe. Par contre, Tekno qui fait tomber le kill, ne reste plus que Maka 1 contre 3. Et sur la première balle, malheureusement, il n'avait pas de Kevlar Maka et son viseur s'est envolé. Le pistol ira dans la poche des Mongols. Cette reprise est parfaite de la part de l'équipe asiatique, ça fait 9 à 4. Alors, j'imagine un force achat derrière pour essayer de recoller au score et avec la bombe plantée. Mais on voit un Senzu qui a été efficace, Tekno tranquillement sur le kill. Ouais, il s'est régalé Tekno, il s'est régalé sur les duals. Non, pas de force. Quelques pistoles seulement, quelques Tech 9. Alors, petit achat Tech 9 sur un call spécifique, ça peut le faire. Avoir le call maintenant. Ça fait 8 rondes d'affilée hein, côté Mongols. 9-1 sur les dernières rondes. Ah, c'est violent. Ouais. La domination de Mongols sur cette deuxième carte pour l'instant, elle est sans équivoque. Côté 3D, on trouve pas la solution. On va tenter d'exploser du côté de ce mid. Pourquoi pas te surprendre? 9-10, ça tient bon. Maka qui arrive à le faire tomber. Le kick qui enchaîne. C'est bien. On a trouvé deux kills. On a trouvé deux armes. Et on a un 4 contre 3. Accélération du côté du Donat. Attention à Mzinho. Il est encore bien positionné là-dessus. Il va surprendre sur Maka. Mais il est couché par le kick. Dans le même temps, Gravity se défait de Tekno. Il est peut-être là. Le premier round des 3D Max depuis un certain temps. Et effectivement, le voici. Cinquième round pour les 3D Max. De quoi bien se lancer sur ce second side. Un round Tech 9 qui fonctionne bien. Tekno qui a tenté une petite folie sur sa décale, sur sa reprise. On a vu l'énergie dégagée par Maka directement et par Wazink. On savait que ce round il était important et on a envoyé les Mongols directement en force achat compliqué. C'est Maka qui trouvera l'ouverture. Allez Maka, fais-toi plaisir bonhomme. Ah dommage, ça ne suffira pas face à Tekno. Il le laisse à 35 petits points de vie. Faut pas s'emballer non plus côté 3D. Faut pas faire, va falloir vouloir emballer la carte trop vite. Joko qui va sortir du côté du B. Il en prend un premier Joko. Par contre, 9-10 a fait directement l'élimination sur Gravity. Il pourrait enchaîner sur Joko. Il faut refermer ici. 6-2 du positionnement d'exercice. Ça tient pour Joko et pour Exe. Il n'en reste plus qu'Mzinho. Avec son 5-7, 1 contre 3, aller chercher, repérer, éliminer là-dessus. Sixième point. Et cette fois-ci, une écho à venir côté mongol. Il faut rester calme. Calme, concentré, appliqué. Et c'est ainsi qu'on pourra peut-être remonter la carte et pousser sur une troisième. Bon, ici, c'est de l'écho. 4 USP, 1 P2000. Autrement dit, ça va être tranquille. Dans le meilleur des mondes, on fait un perfect. Dans le meilleur des mondes également, c'est Maka qui prendrait tous les kills pour faire un petit peu d'optimisation fiscale. Alors, on va envoyer Exe dans un premier temps du côté de ce tunnel. Pour l'instant, il ne repère personne. Alors, du coup, il n'aura pas l'info que c'est un stack A, mais dans le même temps, on travaille le B. On devrait y sortir et se rendre compte qu'il n'y a personne sur ce bon site B. Sur le papier, ça doit faire 9-7, on l'a dit. Ça serait bien de garder cet AK. Est-ce qu'il a compris Exe? Oh, il déloge un petit peu là-dessus, par contre attention il va se faire déborder, l'on prend premier, pas plus. C'est une AK qui va être récupérée côté mongol. Et du coup ça va permettre d'accélérer du côté du B. Ça va être un 9ème, enfin un 7ème point pour les 3D Max. On recolle petit à petit au score, on revient sur les points des mongols. À ce début de side il fait beaucoup beaucoup de bien. Maintenant il va falloir enchaîner sur les rondes d'armée aussi. Ouais, Maka en punition sur un Mighty, alors il en fait qu'un. Gravity intervient ensuite. Il faut faire tomber la K idéalement sur Senzu. Mais on n'a pas l'info sur son repositionnement. Qui tenterait de save côté temple. Il est peut-être pas si mal placé pour le faire. Éventuellement prendre un tutuel sur Gravity. Mais Gravity puissant. Petit triplé pour lui. Super. Et on empêche l'adversaire de save une AK. 9-7. Et ouais, faut continuer. On a entendu. C'était les propos de Wazink. Wazink, il a pas besoin de pause tactique en fait. Il crie tellement tout le temps qu'on l'entend à travers le casque. Le casque est anti-bruit et les oreillettes. Donc c'est nickel. Allez, premier round d'armée. Important de le gagner celui-là.
Ah, ça enverrait Mongols en écho. Ça permettrait déjà de recoller au score. Ça rentre contre double. Échange de stuff sur l'ensemble de la carte. Ça coûte à peine 6 PV sur Joko. Pour l'instant, c'est négligeable. Prise d'espace, côté cave, gravity sur la mollo, assez entreprenant. Ça force l'adversaire à reculer. Techno qui se retrouve fumier en main, coup d'épaule, prêt à bloquer sur la cave. Mzigno, déposé contact main A. Et le mid qui va être complètement lâché hein, des deux côtés pour l'instant, on ne le joue pas. Ouais, on pourrait le retravailler dans un second temps côté 3D Max. Alors la bonne nouvelle, c'est que les utilitaires des Mongols vont être conservés jusqu'aux derniers instants. Donc normalement, on va pouvoir prendre les zones neutres sans vraiment de réponse. Attention à cette infiltration d'Mzigno. On voit Exercice qui va essayer de décaler. On ne montre pas le duel, si. Il s'en doute, Exé. Et il tient son duel, superbe. Face à Mzigno, la lucidité et la puissance d'Exercice qui permet de trouver l'ouverture du côté de ce tunnel. Et ça va forcer à reprendre des informations. On voit Techno ici du côté de la cave. Attention, Gravity à pas être trop impatient. Ouais, ça tient pour Techno, il n'y a pas de vengeance. Joko qui arrive dans un second temps, il veut décaler sur Techno. Ça fonctionne pour Joko. Il reste encore un joueur dans cette cave. C'est Blitz. Joko sans doute. Ah, il s'en méfie pour l'instant, mais alors attention à la rota qui pourrait arriver. Hein. Si on a la bonne idée de faire un gros pari B côté Mongol, ça pourrait faire mal. Parce que 3D Max prend son temps. Et le temps ici ne sera pas leur allié. Hein. 40 secondes de jeu restant de côté Terro. Va falloir accélérer. Fumigène sur la rampe qui est renouvelée à l'instant. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le traverser? Mais là, ça paraît complexe comme choix pour 3D Max. Moins de 30 secondes désormais. Blitz qui se retrouve seul en B néanmoins. Est-ce qu'il peut tenir le Captain Mongol? Il est bizarre un petit peu ce Fumi, le Q là-dessus, oh, qui va se faire ponctionner par Blitz. Voilà pourquoi ce Fumi il est utilisé comme ça. Attention à Blitz, il faut le faire coucher rapidement. Il en prend un deuxième sur Exe. Il faut trouver cette vengeance, oh. Blitz qui fait un carnage. Il ne reste plus que Joko, condamné au 1 contre 2. Est-ce qu'il a ne serait-ce que le temps d'aller chercher la bombe et l'amorcer? Aller chercher la bombe, oui. L'amorcer, ça paraît impossible. C'est un dixième point des Mongols. Tu l'as dit, on a trop pris son temps côté 3D. Et on se fait coucher par Blitz en mode tourelle sur le BP. Ah, Blitz il a tenu un V4, hein. Blitz il aura rentré ici à 1 contre 4 sur le BP. Le fumigène sur la rampe qui était parfaitement timé. On n'a jamais osé avancer côté 3D. Alors déjà Blitz qui met le 2 balles sur Lucky en train de jump throw. C'est très vite parti. Triple tête pour le capitaine mongol qui surgit quand son équipe en a besoin. La pause tactique demandée derrière dans la foulée, demandée par 3D Max. C'est la dernière pour les Français. Après ça, ils seront laissés entre leurs propres mains. Wazink ne pourra plus intervenir, enfin sauf si Mongol demande une pause tactique, évidemment. Cette question qui revient des seconds temps dans les rounds, les moments où il y a un temps mort, un freeze, on l'avait vu en, et on l'avait dit en terreau, Mongol avait bien exploité ces temps-là sur les deux cartes. Et si on s'était, ça a été le cas aussi, 3D Max n'a pas osé avancer et Blitz nous a fait une action parfaite. Et puis le problème c'est que on a un temps mort, bon alors c'est plus facile pour nous de le savoir qu'il n'y a personne du côté du mid, mais il y a un temps mort où ils mettent quelques utilitaires du côté du mid, mais ils mettent même pas un petit coup de tête, quelque chose pour essayer de prendre une information, prendre de l'espace, pourquoi pas poser une coupe du côté de la Red Room, ça aurait peut-être pas été trop là-dessus. Allez, grosse bataille à venir du côté du mid, le petit boost pour Lucky là-dessus, là je fais tellement mal. Attention Blitz, pour être bien inspiré sur les travers. Faut s'en aller à la côté 3D. Ouais, les dégâts de Blitz à travers le fumigène. Lucky Exe a déjà 26 et 13 points de vie chacun. Techno qui fait beaucoup de bruit dans la cave, il va être rejoint par Mzigno. On sait qu'il y a deux joueurs. Normalement, on a sondé les deux joueurs. Ah, mais ils sont trop bien. Ils sont trop bien là-dessus, Techno et Mzigno. Faudrait une grosse explosivité indive. On en fait un, mais Mzigno en fait deux et trois, s'il vous plaît. Le petit triplet de la part de Mzigno et deux joueurs sont low HP. Lucky 26, Exercice 13, Axel en A qui va être tenté. Alors il y a peut-être un timing pour passer en A, mine de rien. Puisque Ninten patiente dans le mid pour l'instant. Fumigène côté CT qui va être déployé. Est-ce qu'on peut planter la bombe? Sur le papier, c'est peut-être réalisable. Ouais, côté CT, on réussit à amorcer. Ninten qui a une HE. Pour l'instant, on la garde dans la poche. Ouais, il aurait été intelligent de l'utiliser maintenant, Ninten. Presque il a l'information que les joueurs sont low HP, c'était des travers fumigènes, etc. Donc on sait peut-être pas forcément qui sont low HP, les joueurs de 3D Max. Ça va être dur dans les duels. Ça va être très très dur pour Lucky et pour Exe, mais il va falloir être plus fort. Il y a un kit sur Mzigno. Et encore une grenade et une flash sur ce même joueur. En train de revenir par le donut, la petite grenade ici. Elle mettra de légers dégâts en plus à Exercice. Il a de la chance d'être en vie là-dessus, Exe. On va venir toucher la bombe dans un premier temps. Ouais, là, Lucky, c'est trop compliqué. Trop trop compliqué. Ça va être le 11ème point côté Mongol. 11 à 7. Les 3D Max sont quasiment déjà dos au mur. Il n'y en a plus de post-tac hein, côté 3D, on a tout mis. On a tout mis. Ça va être dur pour eux de remonter. Hein. Et là, Mzigno à l'instant, qui s'est régalé sur le moins 2, moins 3. C'est terrible, hein, succinctement, le triplé de Blitz sur le dernier round, le triplé d'Mzigno, quadruplé même au total sur ce round pour lui. C'est ces petites actions indives qui font tellement mal. Et qu'il n'y a pas côté 3D Max, c'est ça qui est un petit peu difficile aussi. On n'a pas ce petit grain de folie qu'on pouvait avoir contre G2, contre Spirit.
d'aller chercher un clutch, d'aller chercher un triple kill. On sent peut-être une petite pression supplémentaire sur un match à enjeu comme celui-ci. Et c'est très bon aussi un côté Mongols, hein, ça ne retire rien à la performance des 3D Max, mais on sent qu'il manque un truc. Il manque quelque chose qu'on a l'habitude de voir côté 3D. Peut-être qu'on le trouverait maintenant, ici et maintenant, une grosse action indive qui les relancerait. On en a besoin, parce qu'on s'approche dangereusement de la fin. En rampe d'armée possible. On n'est pas bien stuffé hein, côté 3D Max. On a Galil, AK, Sniper, je veux bien. Quelques fumigènes qui ont été déployés, petit H au côté B qui touchera sur pas mal de joueurs. Maka repère, mais Maka ne prélève pas. C'est un peu dommage, en plus Techno qui tient bon sur Joko, sur une micro-ligne. Impossible après shot là-dessus. Un exercice qui va récupérer la cave dans un contre-temps. Il a compris que si Techno tentait les pré-shots, c'est qu'a priori il n'y avait personne au niveau de ses lampes. Oula, le double boost. Pour y voir encore plus clair, il n'y a plus personne du côté des Mongols. En soi, il n'y a que deux joueurs à la défense du B1. Si on arrive à décapsuler directement Techno du côté de cette cave, ça pourrait fonctionner. Et malheureusement, il s'impose face à Gravity. Exercice repère le deuxième, Exercice en prend un premier. Il reste encore un deuxième joueur, c'est Blitz qui met n'importe quoi dans le fumigène. Maka pour essayer de venger à contre-temps, essayer de jouer son rôle avec son sniper, mais c'est trop dur, on va essayer de prendre de l'espace. Maka qui fait tomber Blitz, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, il faut enchaîner pour Maka. Au moins trouver une deuxième ouverture quelque part là. Si Mzinho se montre impatient, pourquoi pas. Ah, il va le faire Mzinho, il risque de décaler là-dessus. Le kick qui va rejoindre son coéquipier par la cave. Et il y a un joueur du côté de la longue et un joueur du côté de la short. Oh, Senzu qui satellise. Ouais, sans stuff, c'est dur de passer. Les lignes sont ouvertes et Mzinho pour aller fermer le point. 12 à 7. Et on le rappelle, hein, il y avait initialement un start 4-1 pour 3D. Ça gueulait dans tous les sens. Maintenant, c'est beaucoup plus calme. Et le score profite largement à Mongols qui est en train de leur mettre une petite rouste. Et des petites crasses de temps en temps. Ah oui, bah ça. Entre Blitz et Senzu, on a pu se régaler tête sur tête. Ouais, ils sont affûtés, hein, les Mongols. Ils sont en pleine forme individuellement. Et le force achat de la dernière chance côté 3D Max. Il est déjà difficile du Tech 9, un Galil. Il va falloir un exploit maintenant. Une petite grain de folie, peut-être croire pas sur ce rond. Techno qui en prend premier, le deuxième directement. Il ne se manque pas, les Mongols. Maka est laissé à quelques petits points dire regardez Techno, il va aller chercher tellement loin, reprise sur mid, ça tient pour exercice à longue distance avec le Mac 10. Il reste encore 9-10, il en prendra un premier, vengeance de la part d'Exe, mais il y a encore un joueur au niveau de ce A. Est-ce qu'exercice sans doute? La réponse est oui, mais il est battu tout de même. Maka en contre 3 ne pourra rien y faire, la bombe est au sol. Il n'a plus que 21 petits points de vie. Et malheureusement, ça sent la fin pour nos 3D, ça sent la main pour nos Français. Et Senzu viendra sonner le glas de cette équipe 3D Max sur cette ESL Pro League. Nous n'aurons pas cette équipe française, nous n'aurons pas d'équipe française, 100% française en tout cas au playoff, Jawed. Ouais, puis 3D Max, on en parlait hein, déjà au début, on a dit mais imagine à quel point ça serait frustrant de se dire que les Mongols, tu les mets 2-0 sur la dernière confrontation, mais sur celle qui permet la qualification au playoff, ça ne passerait pas, et ça a été le cas. Les Mongols qui se sont montrés plus tranchants que sur la dernière confrontation, mais des 3D Max qui ont aussi été bah, beaucoup moins. On se check quand même à la fin, hein, beaucoup de respect évidemment. Mais il y a eu ces rangs clés, on en parlait sur Anubis, des rangs qui ne doivent pas passer, des rangs que Mongols arrivent à mettre, et on a senti la confiance qui est montée petit à petit de leur côté, notamment Techno en termes d'indiv. Plus on avançait sur Ancien, et plus il était en forme Blitz, qui a été grand, hein. Le capitaine qui a fait la différence dans un round qui semblait difficilement gagnable, et pourtant il a fait donc BG à Mongols et pour 3D Max. On avait dit initialement, avant ce match-là, on avait un parcours où on s'est dit bah, ils peuvent difficilement faire mieux. Je veux dire, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils battent G2 ou Spirit? On en rêvait, mais ça n'a pas été le cas. Ils battaient Mongols et Wildcard. Jusqu'à présent, c'était un parcours honnête. Malheureusement, on s'arrêtera ici, sur cette colline. Ouais, elle donne un mauvais goût dans la bouche, cette défaite, parce que tu l'as dit, c'est un beau parcours qui se conclut par un D0 au final assez sec face